petit caraï, comment vous allez? Hein? Comment vous allez? Moi, ça va très bien comme d'habitude, très bien, mais extrêmement bien jusqu'à frérot. C'est aujourd'hui, on se retrouve pour quoi? Hein? Tu vas me le demander, on se retrouve pour mon top 10 avec un petit bonus, hein, parce qu'on est gentil. Top 10 de mes maillots, frérot. Ça peut t'aider à choisir un maillot sur fut ou même dans la vraie vie, parce que franchement, ils sont beaux, ils sont beaux. Et juste avant de commencer la vidéo, juste pour vous dire que je vais essayer de me faire upload par la commu FUT ou encore la FIFA TV. Et je les remercie si ils m'upload, les petits coquinous. Et regardez juste aussi, j'ai tourné une petite vidéo il y a à peine 30 minutes. Et je parlais des joueurs sous-cotés. C'est-à-dire, leur note, elle va pas avec. Comment dire, en gros leur note c'est pas suffisant pour moi quoi. Et je parlais de Jean-Mario et regardez, il a pris un plus 2. C'est quand même ouf, tu vois, ça veut dire qu'il m'écoute, t'as vu? Ça veut dire qu'il m'écoute, c'est gentil. C'est gentil, c'est très gentil de votre part. Allez les mecs, on se retrouve tout de suite pour le top 10. En 10e position, les gars, on retrouve le maillot extérieur de Porto. Franchement, je trouve vraiment beau, enfin pas non plus exceptionnel, mais je trouve vraiment très beau le noir avec, je sais pas si vous pouvez le voir, des petites taches blanches genre dessus. Attendez, regardez, je pense que vous voyez des petites taches blanches comparé à là, il n'y a pas de taches blanches, là il y en a, je sais pas si vous voyez en dessous de Méo, vous voyez ou pas? Dites-moi si vous voyez dans les commentaires, dites-moi les gars, si vous voyez, si vous voyez pas, je sais pas, j'essaierai de vous mettre le maillot là en plein écran normalement. Et on va passer tout de suite, les mecs, au 9e maillot. À la 9e position, les mecs, on retrouve le maillot de Akhisarspor. Je sais pas si on dit comme ça, c'est une équipe turque. Alors, vous allez juste aller Super League, vous cherchez le logo et c'est bon, vous l'avez. C'est la tenue extérieure aussi. Je la mets en 9e position parce que c'est basique. On voit juste les petits traits verts qui remontent là. C'est pour ça que je choisis, ça fait. J'aime bien. J'aime bien, c'est. J'aime bien, c'est tout. J'aime bien. C'est pour ça que je le mets en 9e position. Allez, les mecs, on se retrouve pour la 8e. Bah oui, allez. En 8e position, les Rays, on retrouve le maillot extérieur de l'Angleterre, qui je trouve beau, mais sans plus. Il ressemble en plus un petit peu au maillot du Portugal pendant l'Euro. Vous vous rappelez? Ouais, l'Euro 2016. Ouais, l'euro qu'on a gagné, oui. Oui, on l'a gagné, oui. Bah oui. Ouais, avec un but d'Eder, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à... tout ce que j'ai à dire. Allez, mec, on se retrouve tout de suite pour le 7e maillot. En 7e position, les Rays. Ah oui, j'allais dire, ouais, j'y trouve pas les maillots. Je sais pas. Le maillot, le 3e extérieur, voilà. Celui-là, le bleu de Manchester United, je trouve. Très beau, très 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 beau. Je les mets en 7e position parce que c'est basique. Genre, il y a un bleu et du rouge, quoi. Il n'y a pas de. Comparé aux autres, il n'y a pas non plus une grande différence. C'est ça que j'ai envie de dire, quoi. Et on va se retrouver tout de suite pour la 6e place. Attention. En 6e position, les Rays. Alors, on a le maillot extérieur. De New York, New York FC, je crois. Je suis pas sûr, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais de toute façon, vous avez juste à mettre MLS. Et après, vous cherchez le logo de l'équipe et vous le trouverez. Franchement, lui aussi, basique, hein, du bleu et du orange. Mais je l'aime bien. Ça, j'aime bien, tu vois. Je sais pas, je trouve beau. Avec les petites genres d'ondes sur le maillot, ça fait stylé. C'est pour ça que je le mets en 6e ou 5e position. 6e, c'est 6e, oui, 6e. Allez, mec, on se retrouve tout de suite. Pour la 5e place, on va dans le top 5. Hein. Chut, attention, faut pas le dire. En 5e position, les mecs, j'ai décidé de mettre le maillot aussi extérieur. Mais je sais pas si c'est le 3. Non, c'est le maillot extérieur, c'est pas le 3e. Le 3e, c'est celui-là. De Altaoun. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, c'est en Ligue de l'Arabie Saoudite. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. La Djidaouri Jamel. Eh ouais, t'as vu ou pas? T'as kiffé l'accent ou pas? Et il joue au. Bah ouais, bah le club, j'ai déjà dit, tu vois. Je peux pas te le redire, j'ai déjà dit. Au pire, comme je t'ai dit, comme d'habitude, tu recherches le logo en Ligue Arabie Saoudienne.
Et c'est bon, t'as le maillot. Franchement, lui aussi. Comparé aux autres, vous voyez, ça change. Tu vois, je sais pas, j'ai mis en cinquième position, j'avais envie. J'avais envie, c'est tout. C'est tout. En quatrième position, les coquinous et les coquinettes, on a le troisième maillot de Al-Qadishi. Ouais, bon, hey, gros, bref, tu chercheras le logo, tu dans l'Arabie. Encore la même ligue, c'est l'Arabie Saoudite, frérot, tu pourras pas te tromper. Franchement, je le trouve très beau, d'ailleurs, je vais l'acheter. Hop là. On va le mettre au club. On va même le mettre, regardez, maillot du Barça. Attendez, on sonne à ma porte, je reviens. Heureux les mecs, on va le mettre à la place du maillot de Barça. Parce que le maillot de Barça, on s'en fout un petit peu. On n'est pas pour le Barça de base, mais j'ai bien aimé ce maillot. D'ailleurs, peut-être qu'il fera partie du classement. On ne le sait pas, plutôt peut-être, hein, je sais pas. Et on va se retrouver pour le troisième maillot. À toutes. En troisième position, les Rays. On rentre dans le top 3 d'ailleurs, hein, on rentre dans le top 3. On retrouve le maillot extérieur de la Juve. Attendez, voilà, il est là, il est là, il est là, le petit coquin. Il est juste trop beau. Je surkiffe. Il est vraiment trop beau, les Rays. Mais quand je vous dis beau, c'est beau. Achetez-le et vous verrez par vous-même. Je vous dis, regardez, déjà, on va faire une petite offre à 200. Ah bah, il est très bien. Tant pis pour vous, les mecs. On se retrouve pour le deuxième maillot. Et je vous le dis, il ressemble extrêmement au maillot du Barça. C'est parti les Rays, l'un des derniers maillots, le deuxième. Attention, ça peut être lequel? L'Inter, non, t'as remarqué, c'est le logo de l'Inter. Attends, il faut que je le retrouve, gros. Et c'est là, ils vont pas me le mettre. Allez. Allez, allez, allez. Ah, voilà, c'est celui-là, le troisième maillot. Il ressemble à celui du Barça. Je vous le dis, je vous l'ai dit, il ressemblait à celui du Barça. Mais, je sais pas, il y a quelque chose en plus qui me fait que je surkiffe ce maillot. Il est vraiment trop, trop, trop stylé. Attendez, je vais voir si je peux pas l'avoir à 200. Ouais, non. Et on va passer directement, les mecs, au dernier maillot. Le plus beau pour moi. Normalement, si vous me connaissez, vous savez c'est lequel. Allez, je vous laisse sans suspense. C'est parti. Et le mec, bien sûr, pour finir, le maillot de Sporting. Le premier maillot, il est juste exceptionnel, ce maillot, les mecs. Il est magnifique, le truc. C'est trop beau, c'est Dieu de toute beauté. De toute beauté. Et en plus, il est déjà dans mon club, donc je vais pas l'acheter, ça sert à rien, frérot. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, le petit 11 de mes maillots à moi, frérot. Si la vidéo t'a plu, tu mets un petit like. Tu t'abonnes si tu veux plus de 11 ou plus de contenu de ma part. C'était Kefredi.